Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Et si un tel personnage de cartoon, animal, ou un truc alien, t'as vu, était un humain? Et bien aujourd'hui, on va répondre à cette question. J'ai 7 calques qui contiennent des personnages de cartoon. J'ai un générateur de nombres aléatoires, donc on va en générer un. Ça tombe sur le 1. Elle, là, je sais plus son nom, mais je vais la dessiner en humain, en humaine plutôt. Et on va voir ce que ça donne. Est-ce que vous êtes prêts? On est parti. Alors, déjà, vu ses cheveux, vu ses rides, etc., elle sera un peu âgée. Alors, c'est un peu... Ah, c'est Germaine, c'est ça. Ben, elle porte bien son nom. Elle a une grosse bouille, une mâchoire assez carrée et tout. Elle mastique des chewing-gums, t'as vu. Elle a une longue bouche. Déjà, elle a une sorte de calvitie bizarre. C'est un peu une coupe de cheveux de mémé qui a les cheveux colorés. Je pense qu'on va lui faire une petite couleur, hein, parce que à l'époque où c'est sorti, ils avaient pas fait ça. Mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle aurait ses petits cheveux colorés, là. Je vais te commencer par les lunettes. En vrai, elle fait déjà pas mal humaine. Ça aide un peu. Alors, quel type d'oreille elle aurait? Une oreille comme ceci. Un regard perçant. Vu qu'elle est déjà pas mal cartoon, j'ai refait sa tête cartoon un peu. Mais ça rend plutôt bien. Son nez, il serait comment? Un petit nez arqué, je pense. Ben, je pense que c'est terminé. Je fais juste son petit cordon de lunettes, là. Et ouais, c'est plutôt pas mal. Voici la version finie. Qu'est-ce que vous en dites? Elle est pas jolie, franchement. Est-ce que vous voudrez pas aller à l'accueil pour lui demander des conseils? Pas moi. Bref, on va passer au deuxième. Je génère un nouveau numéro. Le 5, qui sera Bugs Bunny. Comment je vais faire un Bugs Bunny? Vous avez des idées? Eh, pas mal, là, comme idée. Ouais, mais moi, j'ai cette idée-là. Tu vois, il a une longue tête, mais avec des grosses joues. Ouais, mes crocs qui sont pas fort nets. Je suis un peu plus en train de gratouiller mon écran, mais moi, ça m'aide à me remettre les idées en place. Je l'imagine avec un bon gros sourire narquois. Et du coup, forcément, les petites dents qui dépassent. Genre, il est un peu mesquin. J'ai regardé beaucoup de Looney Tunes quand j'étais petit, et je sais pas trop quel est le caractère de Bugs Bunny. Parce que franchement, il s'adapte un peu à tout le monde, t'as vu. Il est un peu... il s'adapte à la personne qu'il a en face de lui, en fait. Est-ce que c'est pas genre un pervers narcissique? Je connais pas assez les termes, mais ça peut l'être, hein, ça peut l'être. Alors, il aura un petit nez, vu que c'est un lapin. Bon, il a des grands yeux, mais je l'imagine genre avec un genre... Tu sais, il te regarde et genre... C'est très terrifiant, ce que je viens de faire là. Mais, en fait, ça va évoluer. Genre, il te regarde, il sait comment t'arnaquer, t'as vu. Il sait ce qu'il va te faire, il sait comment te parler pour te faire acheter ces carottes atomiques. Il me fait penser au même de Bob l'éponge mafieux, là. Mais du coup, ce serait peut-être un mafieux, si je mets un chapeau, là. Alors, les chapeaux, c'est les trucs les plus compliqués à dessiner, je pense. Alors, non, pas vraiment. Mais, sur la tête d'un personnage, c'est jamais facile de faire un chapeau. Genre là, il est pas bien, tu vois. Mais c'est pas grave, parce que c'est une vidéo marrante. Le chapeau, il est comme ça, voilà, voilà, c'est bien, c'est bien. Mais du coup, où est-ce qu'elles sont ses oreilles, ce petit? Je vais faire ses petites mèches, déjà. Et puis, je l'imagine avec une queue de cheval. Je l'imagine un peu en jeune malfaiteur, t'as vu. Il est contre la société et du coup, il arnaque les gens pour vivre. Il est en train de te dire, toi là, je sais que je peux te rendre célèbre. En fait, t'es nouveau, genre à New York, tu veux devenir acteur. Et lui, il dit, moi, je suis recruteur et tout, je peux te faire percer et tout. Tout ce que tu dois faire, c'est me donner toutes tes économies et je te le rendrai au centuple. Plus jamais t'entends parler de lui. Et du coup, tout le film, tu te bats, t'essayes de le retrouver et puis tu te rends compte qu'en fait, c'était juste un pion dans le projet de la mafia, alors. Donc ouais, je pense qu'on a notre petit Bugs Bunny arnaqueur. Qu'est-ce que vous en dites de... ce Bugs Bunny mafieux. Magnifique, hein, franchement, je pense qu'il est très bien comme ça. On en fait un petit troisième. Allez, le numéro sera donc 6. Le sixième est donc Jerry, de Tom and Jerry. Oh, Tom and Jerry. Je l'imagine en petit enfant, tout mignon, bien joufflu, t'as vu. Il a cette tête d'enfant déjà. Regarde, il y a la tête là, et puis tu rajoutes la joue ici, comme ça, il est bien joufflu. Avec des grands yeux, un tout petit nez, choupidou. Ouais. C'est pas mal comme ça. Elle est tout pétune, elle est chopelou. Ses oreilles, je l'imagine pas comme des oreilles, mais je l'imagine plus comme des sortes de bouclettes. C'est boucle d'or. Alors, je pensais faire un truc mignon, mais il est un peu moche et tout. Mais bon, c'est pas grave. Faire les mains rondes, là. Vous en faites pas, ça sera plus beau au propre, mais... je m'amuse un peu en faisant un truc tout mignon, tout... un bébé tout potelé. Encore, il est pas assez potelé à mon goût. Peut-être que je modifierai au propre. Peut-être qu'il faut genre une bouche que ça. Je m'amuse tout seul. Il est terrifiant, mais en même temps, il est trop mignon. Bon, voilà mon Jerry, mais est-ce que vous voulez voir la version finie, tiens?
Voilà, alors, il est pas mignon. Je pense que... Non, j'ai même pas envie de l'adopter. Non, pas du tout. Il me terrifie trop. Je pense qu'il me regarde avec ses gros yeux, là, dans la nuit, et il va me faire avoir une crise cardiaque. Bref, c'était donc trois personnages de cartoon en humain. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'était beau? Est-ce que c'était bien? Est-ce que vous en voulez plus? Est-ce que vous en voulez moins? Est-ce que vous voulez que j'efface cette vidéo, en fait? Non? Ok, ça va. Merci. Si vous voulez plus de vidéos de ce style, likez la vidéo. Allez, objectif 20 likes, j'en refais une. Ça vous va? On fait ça? Dites-le à vos amis pour que cette vidéo se fasse. Merci de vous abonner, ça aide la chaîne énormément. Bref, j'étais heureux que vous choisissiez ma vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. Il est temps pour moi de rendre l'antenne. C'était Mox. Merci de votre attention.